Et il est vrai que certains et certaines l'ont fait remarquer. C'est quoi le but du jeu déjà? C'est vrai que il est possible qu'on se soit un peu emballé dans la partie gestion, dans la partie colonisation, dans la partie richesse également. Nous sommes actuellement à 172 000 dollars. Le bénéfice est infini. Là, on est très très bien. Les deux endroits où on a établi une ville sont stabilisés. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir commencer à penser aux objectifs de campagne et donc passer au chapitre suivant. Je pense que ça va se faire de façon assez rapide, du coup, vu qu'on a quand même, je pense, à mon avis, un petit peu d'avance du point de vue des ressources, et je commence à vraiment intégrer comment fonctionne le jeu en termes d'équilibre et tout ça. Donc c'est vrai que là c'est le moment où le jeu devient jouissif. Il est absolument parfait. Je rappelle, du coup, une petite chose pour les gens qui éventuellement voudraient acheter le jeu. N'hésitez pas, vous êtes obligé maintenant, malheureusement, de passer par Epic parce qu'il a été retiré de Steam. Je crois qu'il est sur Uplay également si vous préférez, mais bon, si vous préférez Uplay à Epic, alors là, je ne réponds plus de rien, parce que franchement, Uplay, le service, il est chaud. Mais du coup, effectivement, voilà, il y a un code créateur qui existe et qui soutient de ouf la chaîne si vous achetez le jeu. C'est celui qui est indiqué sur la VOD en bas du gameplay. C'est également dispo dans la description. Vous avez un lien qui est dispo aussi, envoyé par Moobot sur le chat. Si vous achetez le jeu par ce lien, c'est la même chose. Mais bon, voilà, en gros, l'idée, c'est que si vous voulez acheter le jeu et si vous voulez soutenir la chaîne en même temps, bah voilà, ça serait très cool de le faire. Si vous ne le faites pas, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, bah là, on est loin dans le let's play, donc je pense que du coup, il y a déjà eu quelques personnes qui l'ont fait depuis le début du let's play. Donc merci beaucoup aux personnes qui sont passées par là pour faire leur petit achat. Et après, encore une fois, je vous le dis, si vous passez par Uplay, il n'y a aucun problème. Hein, faites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Je taunte un peu en rigolant, mais en vrai, voilà, c'est pour celles et ceux qui veulent. Mais aucun souci. Bref, le programme. Donc là, en fait, on a un petit souci. On a un petit souci de gestion. Ah ok, bon bah Rajiv qui dit Uplay meilleur que Epic, pareil pour Mr. Tunker. Ok, bah chacun son truc. En vrai moi je préfère largement pour le coup le confort de l'interface de Epic, qui est beaucoup moins lourde, mon dieu. Uplay en termes d'ergonomie, il y a plein de trucs qui chient et tout. Et puis même après j'ai eu plein de soucis sur certains jeux et tout, enfin bref. Mais oui, du coup mauvais retour d'expérience de mon côté. Oui, donc là en gros pour vous dire, on a un petit souci, c'est que on a nos brasseries qui carburent bien sûr, mais on est de plus en plus nombreux, et là au niveau de la bière ça commence à devenir complexe, et on pourrait davantage s'enrichir si on pouvait faire plus de bière, bien sûr, puisqu'on a beaucoup plus de citoyens qui sont là et qui ont envie d'être heureux, et qui ont envie de boire du coup. Et donc pour les inciter à la boisson, on va devoir faire des choses. Le problème de ça, juste depuis la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste fini mon école là. On va pouvoir aussi s'occuper de l'église, mais avant ça, vu que je sais que ça va me coûter très cher en entretien, on va attendre un petit peu avant de la construire. Là c'est pareil, la briquerie fonctionne, pourquoi? Parce qu'on a créé une nouvelle route commerciale qui va transférer également de la roche en fait, sur cette île là spécifiquement. Donc finalement des méthodes qui nous permettent d'être très très bien. Là côté ressources, franchement on n'est pas du tout à plaindre. Donc ouais. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, on a un problème de ressources, parce qu'on n'a pas assez de malt, donc il nous faut plus de malt de base, et on n'a pas assez de... Pardon, pas assez de blé, du coup, et on n'a pas assez de houblon, également. On en manque beaucoup. Donc on va devoir en recréer. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre par ici, vu que de toute façon, là, c'est vraiment la zone fermière, la zone agricole, qu'on a beaucoup mieux gérée que dans la première ville, ce qui est jouissif, parce que du coup, ça montre qu'on apprend un peu de... Bah, pas de nos erreurs, mais en tout cas, des choses que l'on n'a pas forcément très bien faites. Et donc là, bah, l'idée, c'est de refaire exactement la même structure que tout à l'heure. Donc on fait ça. On va refaire jusqu'ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors j'aimerais tester un truc quand même. Ouais, je pense que si je fais ça, c'est un poil plus optimal. On va voir. Là, on recopie encore une fois le bazar. Que l'on va du coup amener non seulement là, mais aussi du coup... Là, voilà, très bien. Ça, on va le connecter bien sûr à de la route. Voilà. Et le truc, c'est qu'on a aussi besoin de faire encore une fois plus de blé. Donc on va encore une fois se charger de gonfler le blé ici. La ferme céréalière du coup. En espérant que ce soit suffisant, parce que là le problème c'est qu'après, pour monter les ressources, honnêtement, je saurais plus trop quoi faire. Là, ça commence à être déjà assez dense en termes de quantité. Alors là, évidemment, je fais ça. C'est un peu brutal, un peu bourrin comme manière de faire parce que du coup, je vais me faire allumer. Côté ressources. Voilà. C'est bon. Donc là, on a vraiment tout emmené jusqu'au plus loin possible. Avec une route bizarre. Pourquoi il y a une route bizarre comme ça? C'est chelou, ça. C'est moi qui ai foiré cette route?
Ah mais attendez, on va corriger ça tout de suite. Voilà. Alors, contre l'esthétisme, encore une fois, obligatoire. De rigueur, toujours. Voilà, là on a absolument tout. Qui est prêt? Alors il nous faut des entrepôts maintenant pour poser tout ça, parce que là sinon ça va être un vrai problème. Alors entrepôt qu'on peut poser de deux côtés, lui je pense qu'il sera bien connecté à cette route là. Par contre là c'est vrai qu'il y aura un petit entrepôt debout là. Ça peut pas être mal je pense. Entrepôt ici. Est-ce que les routes sont trop longues? Parce que là il me dit que c'est loin. Sans entrepôt on va pas aller loin. D'accord. Il a déjà besoin d'un autre entrepôt, c'est trop bizarre. J'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru. Alors peut-être que c'est une histoire de distance, hein, c'est possible. Du coup on va être embêté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le truc autrement. On va mettre l'entrepôt pile poil... Ah je sais pas. Ah je suis embêté. Parce qu'on est d'accord que si je mets un deuxième entrepôt ici par exemple, en se disant c'est la zone des entrepôts. Ah si, ça fonctionne quand même. Non, lui il veut pas. Lui définitivement il est pas d'accord. Ah, on voit la range avec le chemin vert. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est pour ça qu'on a un problème, parce qu'on n'a pas de route ici comme je l'ai fait tout à l'heure. D'accord, je comprends mieux. Alors du coup la question qui tue c'est... Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire un tour de l'île? Si. Et si. Donc là je vais faire un truc qui va pas me plaire, mais c'est pas grave. On va... Partie sauvegardée. Alors, on refera après. Voilà. Bon, du coup, on perd grave en efficacité sur la quantité, mais c'est pas grave. Donc là, évidemment, oui, on est bien trop loin. Ouais. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je les pose à l'arrache pour le moment. Et ensuite, on verra ce qu'on en fait, d'accord? Parce que là, je suis un peu paumé, sinon. On les met là, ils existent, voilà, ils sont présents, c'est ok. Mais effectivement, on va devoir régler ça beaucoup mieux plus tard, parce que sinon on va être très embêté. Alors là, surtout, il nous faut des fermiers. On va pas se priver. Mais dans quel sens on fait ces fermiers? Ouais. Celui-là me semble pas trop mal. En fait là je fais attention parce que je veux pas qu'on tombe dans le cas où on peut plus mettre de bâtiment au milieu. Parce que là en fait un des autres problèmes qu'on a c'est qu'on est en train d'agrandir énormément la zone. Comme vous le voyez ça commence à devenir vraiment dense. Et du coup ça nécessite quand même de mettre des bâtiments de sécurité. Par exemple si on regarde, je sais pas moi, imaginons le poste de police. Là on voit que le poste de police là-bas il a plus d'activité. Pareil pour tout ce qui est des champs et tout. Là on a vraiment besoin de s'arranger avec la caserne de pompiers. Qu'on va d'ailleurs pouvoir gérer de ouf je pense avec un truc comme ça. Genre si je fais ça est-ce que ça connecte à tout? J'ai l'impression que oui. Alors c'est pas très beau. Ouais non je vais faire mieux que ça. Là ça prend pile poil la bonne place. On le met ici. Par contre là, on va connecter comme ceci. Voilà, très bien. Donc là, on a une zone qui sert à rien, mais je pense qu'on la... On la rangera avec de la déco plus tard ou quoi. Mais des routes en dur pour augmenter l'efficacité de la police. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi mettre... Alors je peux pas, j'ai pas assez de pierres pour le moment. Plus tard, effectivement, ça sera le cas, mais là, pour le moment, j'ai pas assez de pierres. Et ensuite, du coup, on avait dit les policiers, oui, mais... Enfin, les pompiers, pardon, c'était bon, il nous fallait les policiers. Force de l'ordre, du coup. Qu'on amène au même... Alors, on est d'accord que... Ça prend pas la même place. Hein. Alors c'est dommage parce que c'est beaucoup plus joli quand c'est dans la longueur ces bâtiments. Et là malheureusement on est vraiment dans les espaces confinés. Ça me donne presque envie de changer mon truc ça. Je réfléchis à où est-ce que je peux le mettre qui soit cohérent. Ah ça c'est pas mal. Alors ça me bousille complètement ma disposition de bâtiment, mais c'est pas mal. Allez, je tente. Je m'en fais pas. Nos lecteurs ne regardent que les images. On réarrangera, d'accord? Une des magies du jeu, c'est de pouvoir faire des choses réarrangées. Ah bah oui, là c'est le destin. Hein. Ce compte-là, c'est le destin.
Alors la vraie question qu'on va se poser maintenant c'est... Comment est-ce qu'on arrange tout ça? Donc jusque là c'est ok, là il nous faut un... Oh, quoi qu'on pourra mettre une petite fontaine, une connerie, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un autre bâtiment qui rentrerait pile poil là dont on pourrait avoir besoin? Je suis étonné des revenus importants que tu as, je suis à peu près au même stade, j'ai galère à atteindre les 1000. Mais c'est parce que j'ai très bien géré. C'est parce qu'on a le, on a le skill de la gestion, c'est tout. On a eu le skill de la chance un peu aussi, j'avoue. Mais bon, ouais, non, ça s'est bien passé, ouais. Ça s'est bien passé. Le journal, vous dites? La corporation? Non, elle rentre pas non plus. On a ces conneries là. J'aime pas les mettre n'importe où, ouais. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Déjà, ça donne quoi ici? C'est ça la question qu'il fallait regarder quand même. Tu s'en rends pour saluer le chef. Ah, pourquoi il... Attends, mais comment il peut galérer alors qu'on a tout ce qu'il faut? Alors, je vais agrandir celui-là et agrandir celui-là. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. On est tellement riche. Alors, ça a l'air d'aller mieux. Non, toujours pas. Pénurie de ouf. Si, ça remonte un petit peu. Ça y est. On récupère une santé, là. Ça revient. Mais au niveau du blé, c'est pas la folie, hein, vraiment. Alors, je sais pas s'il y a moyen de faire mieux, hein, mais ouais, c'est pas incroyable, hein. Petit manque de fermiers, bah non, 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 même pas. Enfin, on est pile poil en positif en fait, parce que les fermes sont en train de se remplir là. C'est en train de s'ajuster, voilà. Non, non, là c'est les ouvriers qu'on a en beaucoup trop, mais ouais. Alors on peut changer les routes en briques, effectivement. On peut commencer à faire les routes en briques, ça peut être une idée. Alors là-bas aussi, on a ça à faire. Il va nous manquer quand même de la pierre, même si c'est en train d'arriver. Mais je pense qu'après on va laisser la zone telle qu'elle, hein. dès qu'on a fini ça et qu'on est rentable ici, on bouge plus, on touche plus rien. Je vais vérifier qu'au niveau savon et tout là, tout est ok. Putain, les besoins sont tellement pas les mêmes en fonction du... Alors au niveau de bonheur... Ah, il faut un pub. C'est ça qui manque. Voilà, c'est bon, nous la richesse. Hein. Vous allez voir que le bonheur ça tient pas à grand chose. c'est vraiment. S'il y a bien un message dans le jeu, hein, c'est que. Bon, voilà. C'est, tant que t'as de l'alcool, t'as du bonheur. Quoi, tout le monde est content. Petit centre-ville des fermiers là. Ouais. Le cessez-le-feu a expiré. Parfait. Un petit problème d'optimisation pour ça par contre. On va la laisser là elle, mais pff, ouais, ça me plaît pas. Je la mets là pour le moment parce que voilà, je veux qu'elle soit là, mais ouais. Les maîtres de l'Olympe, Stelios, si tu veux un jeu dans le, un peu le genre de style là, univers grec. Est-ce qu'il nous manque quelque chose là, au niveau des services? Je pense qu'on est bon, hein. Je suis même pas sûr qu'un truc comme ça, ça va quelque chose. Je pense qu'on a tout. Honnêtement, je pense qu'on a tout. Après, il y a des trucs ici qu'on pourrait rajouter. Genre, je sais qu'il y a la chaîne de construction des conserves, on va plus rien aussi. Hein. Oh putain, mec, je suis tellement con. Mais je suis tellement con. J'avais oublié. Ah non, c'est bon, je peux le faire ici aussi. J'avais oublié que, oui, la zone agricole, je voulais en faire quelque chose de particulier ici aussi. Hi Ray, welcome. How are you going? Je travaille mon anglais. Allez bam l'église, voilà c'est bon. Alors là normalement, est-ce que l'église rapporte de l'argent d'ailleurs? Si c'est vraiment une simulation normalement oui. Oh putain, -400! -400, il s'est passé quoi? Ah mais c'est parce que j'ai rajouté ces merdes là. Du coup ça coûte la peau du cul? Je suis à -400 sur la zone. Attends vite, je veux gagner des sous. Ah j'avoue les services ils font mal là.
Alors réfléchis. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner plus de thunes? Réfléchis. Parce que là on a fait plaisir à tout le monde, ils sont contents et tout. Bah là il y a ça éventuellement. Théâtre de variété. Non, entretien, ça fait le peu du cul. Après on pourrait faire des artisans quoi. Et les artisans ils ont des besoins qui sont pas les mêmes. Parce que les artisans ils vont demander les conserves, les machins, les merdouilles et tout. Et là on n'est pas prêt à faire une ville d'artisans ici. Ah attendez. Ah non, c'est le temps que ça se stabilise, c'est bon, c'est ok. Augmente l'import d'eau de vie. Ah j'avoue. Ah j'avoue. Très bon point. L'eau de vie on doit être en rate de ouf. Ouais non, l'eau de vie on est large. Ça se remplit aussi. Alors on va regarder là-bas si on peut être encore plus rentable pour compenser. Parce que là ici on est là c'est la rentabilité de l'indécence absolue. Si on regarde un marché par exemple, où sont-ils? Là, on est bien. Là faut qu'on fasse les cannes maintenant et puis du coup les machines à coudre pour la suite. Quelle belle ville. Merci Ray, merci. Et encore les puffs. Je sais pas quoi ajouter ici, hein, c'est toujours pareil. Ah mais le pub, on en a mis un ici ou pas? Caserne des pompiers. Ah oui, le pub, il est là, oui. Et il rentrait pas là. Ah c'est terrible, c'est terrible. Non mais là, ça sera une superbe place, incroyable, magnifique. Ça sera très très beau. Je vais faire comme si j'avais pas vu le message des Goku. Ouais, je pense qu'au niveau entretien... En fait, on fait beaucoup de ressources. Maintenant, il faudrait que je vois comment est-ce que je peux faire pour les vendre mieux, quoi. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que vu qu'on fait beaucoup de production, finalement, c'est ce qui nous plombe. En fait, c'est horrible. En fait, là, l'objectif, potentiellement, ça serait de demander aux autres de se laver, en fait. Et donc de les faire évoluer pour les rendre lavables, pour qu'ils me rapportent de l'argent en achetant du savon. Quelle vie cruelle. Ah mais c'est ça, l'école. L'école les rend bien là. Ah bah c'est bon, c'est ça. Allez, parfait. Ouh, ça coûte cher. Ah merde, il me faut deux de métal. Il me faut deux de métal, zut. Non, non, ma symétrie. Ma symétrie, à cause du métal. J'avais pas dit qu'il fallait qu'on avance dans l'histoire à la base. J'avais pas dit qu'il fallait qu'on fasse ça. Merde. La vie, c'est comme les cacahuètes. Plus on en mange, plus on a soif. Tu me fais peur. Ah merde, on est en rade de... Ah Bobby, on est en rade de savon, merde. Comment c'est possible? Il est où le savon? Où est-ce qu'on ramasse les savonnettes ici? Là. Le suif. Très bien. Elle est où mon usine à savon? Ah, elle est à côté, ça. Ah, qu'elle est, elle est pas à fond en plus, l'usine à savon. Oh là là, quelle terreur. Mais c'est ça, on a un problème de savon. On a un problème de savon, merde. Ah bah non. Mais moi je voulais pas faire ça. D'accord, on a eu la meilleure VOD, là on arrive sur la pire VOD. Je voulais pas faire ça à la base. Quelle saleté, punaise. Attends, réfléchis. Comment je vais faire un champ beau? Alors. Je suis dégoûté. Je suis dépité de ouf. Mais quelle vie de merde, punaise. Tu m'emmerdes pas avec ton entrepôt à deux balles, hein. Allez. Mais ça va être pas beau là, mais comment ils ont fait leur truc? Pourquoi c'est 5? Ah! Ça marche ça.
Ok, allez, copier. Et me dites pas que ça pollue, c'est pas vrai. Mais non. Alors je sens que là tout le monde va me pomper ma technique pour faire les trucs en 5. Je sens que je viens de créer un concept. Je suis en désespoir. Promis, je reviens à fond dans 2 secondes, mais là je suis en désespoir. La dépression est en cours. À défaut de leur filer de la pression. LOL. Incroyable blague. Donc de la ferme, c'est bon. Côté cochon, on en est où? Comment est-ce possible que côté cochon soit pas plus efficace que ça? Ah, parce qu'il fallait le temps que les fermiers arrivent dessus, bien sûr. Ah, j'avoue, la musique y a de pas non plus. Hein. Là, on a le full set de la dépression. Fais des cochons pour faire des savons. C'est une philosophie. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Non mais je vais arrêter de chanter, ça va vous tuer les oreilles. Alors attends. Juste là, hop. Très bien. Donc là on est d'accord, c'est magnifique. Et si ça allait pas, ça allait quand même. On est en galère de fermier, mais je vous rassure, je maîtrise parfaitement la situation. Je sais où je vais, je sais ce que je fais, c'est juste le temps d'y arriver. Ça donne quoi tout ça? Ouais, c'est le temps que les gens arrivent. Ça se connecte au marché, tout ça, ça récupère tout, c'est bon, c'est ok. Un élevage de porc de ouf qui est. Et effectivement, tout est sous contrôle pour le moment. On est encore bon. Alors maintenant qu'on a fait ça. On n'a pas assez de monde. On n'a pas assez. Ne t'inquiète pas, Jacqueline. Tout est en train de se dérouler exactement comme prévu. Il tire la gueule, pourquoi? Les mauvaises nouvelles dépriment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus d'alcool. Comment on fait? Comment on fait, nous? Oh, terrible. Terrible, terrible. Alors, l'alcool, est-ce qu'il coule à flot chez nous? Alors, on a de la bière, ça, c'est vrai. Non, mais l'alcool, nous, l'alcool de riz, on est en train de douiller, là. On n'y arrive plus. On les suit plus, là, avec leurs histoires. Alors, alcool de riz, c'est parti. Du coup, bam. On fait les champs de patates, toujours. Je réfléchis, hein, parce que c'est dégueulasse en fait, mon truc ça me plaît pas du tout. Il faut tellement qu'on réorganise toute la ville là. Il y en a pour au moins une heure. Genre large, il y en a pour au moins une heure. Ah merde, il y a un problème de quoi? D'entrepôt? On peut plus rien stocker. Mais... pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Attends, on va stocker. On va stocker. Y'a où mon stock? Je sais plus à quoi ressemble le stock, ça y est, je suis perdu. Là,
Boum. Mais ce n'est a priori pas suffisant. Elle est tellement ignoble cette zone. Mon dieu. Bon, désolé les arbres. Je suis désolé d'avance. Je voulais pas faire ça. Mais je suis obligé. Avec tout ce qu'ils boivent, on est obligé. Excuse-moi, mère nature. Je te promets que j'avais pas envie de faire ça à la base. Enfin, si, mais pas comme ça. S'il me dit qu'il me manque des fermiers ici, je vais pleurer par contre. On verra. Pénurie de main d'œuvre. Bon. On va pas se mentir, c'est la crise là quand même. Les Ents te jugent. Ah mais je sais. Bon là on construit ça, c'est cool. Maintenant il nous faut une... une distillerie. On va mettre à côté parce qu'il faut pas déconner quand même. Faut que ça se... Partie sauvegardée. Putain, il manque des... Alors là, là vous allez pas aimer ce qui va se passer, mais je suis obligé. J'ai assez. Normalement, je dis bien, j'ai assez. C'est sec, c'est qu'il pleut pas. Ouais, c'est bon, les jauges se remplissent, tout est ok. Vous allez voir que je vais repasser en négatif ici avec ces conneries. Donc j'avais dit qu'à la base, on était tranquille. Bon, il se trouve que peut-être que... peut-être qu'en fait, on est en train de faire une espèce d'effet boule de neige de tous nos problèmes. Et que dans pas longtemps, je vais me mettre à pleurer. Pour le moment, c'est ok. Pour le moment, c'est ok. Alors, problème. Oui, ok. Ah, il m'a envoyé. Attends, je comprends. Voilà. Et la pêcherie, du coup. On va peut-être faire une deuxième pêcherie, parce que je pense qu'on va galérer, sinon. Tu crois qu'il se mettrait bien aligné, joli et tout comme on veut, mais non. Il ne dit pas qu'il est pas connecté, hein, c'est... Pas d'entrepôt à porter. Foutage de gueule. Ok, pénurie de main d'œuvre, ça c'est bon, c'est ok, on gère. Alors ça donne quoi ici? Les besoins. Ah mais ils sont fous, les, il nous en manque encore, hein, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Là, on est en train de vivre un moment de crise générale insoutenable. Allez, c'est bon. Donc là, on a géré tout ça. Je rappelle que tout ce que je viens de faire ici, c'était pour juste pouvoir faire plus d'alcool quand même, à la base. À la base, le vrai problème depuis le début, c'est l'alcool. Maintenant qu'on fait de l'alcool mieux, est-ce qu'on peut faire une route qui nous amène plus d'alcool? Oui. Double l'alcool. On accepte, très bien. Voilà! Mais le problème, c'est toujours l'alcool, c'est ça qui est terrible. On manque de manœuvre, mais je vous rassure, c'est en train de venir. Alors là, regardez bien ce chiffre qui est en train de monter en flèche au niveau de la richesse. On est quand même à 214 000, encore une fois. Non, mais c'est incroyable, on va être millionnaire bientôt. On va être millionnaire de rien. C'est incroyable. Du travail bien fait.
Tu me fais pas le coup de toutes les baraques, elles sont pleines et il nous manque 11 pélos quand même. Non, c'est bon, c'est en train de se remplir ici. Alors l'alcool, tout le monde est content, le bonheur, tout le monde est content. Tout est bien, regardez, tout est bien, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Regarde ça, bam, on est rentable. Putain, tout ça, ça m'a réussi. Vous nous avez vraiment sorti d'un mauvais pas. Bien sûr. Ah, on peut rétrograder les habitants, mais je savais même pas ça. Ok. On peut presque souffler. On peut presque souffler. Parce que du coup, on aura juste à faire ça. Qu'on va changer. Qu'on va troquer contre ça. Accepter. Voilà, les routes, que... les routes commerciales qui vont s'arranger. Et donc là, là on est parfait. Vu comment tu t'égares presque un peu trop, j'ai hâte de voir la suite. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. I heard souffler. Exactement, exactement. Ah là 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 là. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe encore? Les entrepôts sont submergés. Mais me dis pas les entrepôts sont submergés. Les entrepôts, il y en a de partout. Et ils sont tous à fond submergés. Partie sauvegardée. Et l'autre qui nous trouve la partie sauvegardée. Alors où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va pouvoir rajouter de l'entrepôt? Vraie question. Alors déjà, attends. Là c'est le moment de la fin de la coiffure, tu sais, tu t'enlèves les petits cheveux, tu vois. C'est vraiment ça. Alors on a beaucoup d'ouvriers. Qu'est-ce que c'est mal rangé cette ville? Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est mal branlé? Ah, une quête. Pardonnez mon ingratitude. Baigné par le clair de lune, j'aspire pourtant à la clarté des étoiles. Où est Maria? Maria. Elle est là. Nous avons toutes les raisons. Et du coup maintenant dans les navires on a... D'accord, très bien. Mais les quêtes annexes c'est important, ça donne des capacités, des compétences et capacités spéciales. J'hésite très fortement là à tout péter en fait. À l'aide. Ma frange. Même avec de l'aide, je crains que cela. Alors il y a un cadeau. Votre navire. D'accord. Vous êtes le signe. Inhabituel. En stock dans zoo. Ah d'accord, ok. On peut faire un zoo plus tard. Très bien. Ah merde, du coup ils nous donnent des trucs, construisent un zoo et tout. Mais l'histoire nous montre quelle erreur. La quête principale, c'est pas... Oh oui, mais la quête principale, on va le faire, hein, c'est sûr. Non mais là, je me suis perdu en mode sandbox dans ma tête, hein, c'est très compliqué. Mais c'est tellement bien, c'est tellement bien. Donc là, bon, ici on est toujours rentable de ouf. La vraie question, c'est est-ce qu'on est rentable ici aussi? Non, on l'est plus. Pourquoi? Ah ça y est, il me fait... Il me permet de faire le charbon et le métal maintenant, ça y est. Ah bah bravo, super. Quel enfer. Alors qu'est-ce qui manque? Bon, pour le bonheur tout est ok honnêtement. Sauf les mauvaises nouvelles, mais je peux ça bien. Si tout est ok. Oh, allez ça tout. C'est pas vraiment ça question dignité. Ah, parce qu'il faut une école pour toi aussi. Ah merde. Ah d'accord, zut. Je pensais que le... D'accord. Alors l'école qui est quand même pas à côté, effectivement. Donc là, c'est le moment de tester quelque chose. Et on terminera avec ça. Et donc désolé, on aura fait le truc dans le désordre par rapport à ce que je voulais faire à la base. Mais... Alors déjà, ça se coûte une blinde, j'imagine. Moi, ce que je veux voir, c'est... Un dernier coup d'œil. Ah! Au bureau, on vous surnomme excellent. Incroyable. Entre autres surnoms flatteurs. Allez, on publie tel quel. C'est essentiel d'être fidèle à ce qu'on est. Il voulait des mauvaises nouvelles ou... Non, il voulait des bonnes nouvelles, regardez ça. Alors maintenant la question c'est, est-ce que l'école va plus loin?
Ah ben voilà, c'est ça. Des fois la route c'est la solution en fait. Bon, ça m'a coûté une blinde, hein, faut quand même se le dire. Mais l'école m'a permis de faire tout le reste en fait. Le travail s'est interrompu. Vous voyez ? C'est la grève. On est à court de matières premières. À court de houblon ? Putain, mais qu'est-ce qu'ils boivent ? Faut arrêter de boire comme des trous, les gars. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Merci de venir, merci beaucoup. Je suis allé voir les schémas d'optimisation de ville et c'est une gigantesque preset. Ah mais game, de toute façon, si tu veux faire le truc à fond, oui, c'est du taf, hein. Là, nous, à côté, on est tranquille. Par contre, là, je suis en déficit grave de thunes, encore une fois, sur la zone. La grève est terminée. Et je me redemande pourquoi. Alors, est-ce que c'est à cause de la grève, c'est possible? Non, c'était dans l'autre ville, du coup, la grève. Mais là, il y a clairement un truc... on a clairement un problème, quoi. La maintenance nous coûte une fortune, quoi. On est à... 5600 de dépenses au total. Vous imaginez la violence du truc? Et là d'un coup ça bascule. En fait il y a des oscillations, j'ai l'impression. Et à mon avis, alors je me trompe peut-être, hein. Partie sauvegardée. Mais à mon avis c'est dû aux dépenses des gens qui fluctuent en fonction des besoins et tout ça. Et en fait genre il y a un stock d'alcool qui arrive et du coup bam, le truc il s'envole. Parce que là vous voyez on est quasiment positif. Alors ce qu'on va faire pour terminer, c'est que on va attendre de recevoir le convoi qui est censé arriver. Alors c'est pas l'apéro, c'est l'autre. Ah merde. Oh je me suis trompé. Oh je me suis trompé, j'ai oublié de sauvegarder, je suis dégoûté. Bah non. Bah pourquoi il l'a pas fait le... Il y a un bug, il m'a pas envoyé de briques. Tous à vos postes. Oh bah je suis dégoûté. Bon bah attends, on va se les envoyer... Pas des briques, pardon, des machins là. On va se les envoyer nous-mêmes, hein, c'est pas grave. Bah, peut-être pas tout quand même, parce qu'on peut pas déconner. On en envoie 20, voilà, très bien. De nouveaux ordres. Ça a pas marché. On ramène de la bière. Oui. Attends, je l'ai mis où le... Oui. Ah d'accord. On est d'accord qu'il y a... Attends, il y a un truc que j'ai merdé là. Tous à vos postes. Ah c'est lui, d'accord, ok. Voilà. Donc on va juste ramener, ouais, le métal. Et comme ça, on pourra juste augmenter ça pour vérifier ma théorie du « c'est comme ça qu'on va devenir plus riche ». On va voir. Ah, Ultra, t'as dit quoi? J'ai pas vu ce que t'as dit. La fluctuation des marchés, exactement. C'est dû aux livraisons. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment ça. Est-ce que j'ai déjà accès au Nouveau Monde et aux expéditions? Non, pas encore. Non, non, non. Là, on est au tout début de la campagne. D'un point de vue histoire, en fait, on a compris que le jeu nous a embarqués. Et donc, ça démarrait de base sur un sentiment simple de... d'envie d'avancer, quoi. Et ça s'est... Enfin, je sais pas. Au début, on était vachement dans l'histoire, le scénario, le machin. Et d'un coup, j'ai décroché. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais là, moi, ça m'a bien fait, hein, putain. Saloperie. L'Early Access to Dream, non, j'y ai accès demain, normalement, à Kalik. Améliore un entrepôt en rajoutant, n'augmente pas la capacité de stockage, c'est en améliorant le port. Ah, c'est vrai. Ah oui, augmente la capacité de stockage, d'accord, l'entrepôt, mais du coup, ça sert à quoi d'augmenter la qualité du truc? Procure des rampes de chargement supplémentaires. Ah, d'accord. Ah oui, ça n'a rien à voir en fait. Merci pour la précision, du coup je savais pas. Merci beaucoup. Bah heureusement que tu nous le dis parce qu'on l'aurait pas vu avant, bon sinon. Ah, le retour de la symétrie. Alors là, faire très attention.
Voilà. J'aurais confié ce travail à un des gamins, mais puisque t'es là... Allez. Alors, elle nous propose un boulot. Évacuez vite ces caisses de la région, ce qu'elles contiennent, 10 petites tonnes de ça ne vous regarde pas, trésor. Est-ce qu'on fait sa mission à elle? Oh merde! Eh ben, fais ce que tu peux, mon trésor. Oui, il en manquera toujours des... Et cette faveur que je t'ai... Ouf! D'accord. Eh ben dis donc, t'en mets du temps. Faut que j'envoie quelqu'un s'en occuper à ta place. Tous à vos postes. Je comprends pas ce qu'elle me demande. J'ai pas compris ce qu'elle me demandait. Non. Allez, on y va. Je comprends pas. Je dois y aller avec elle ou je... Ou j'y vais tout seul. Et je pars en expédition. À l'aventure. Sans savoir où aller. Alors qu'il faut surtout pas que qu'on fasse des trucs comme ça. Ah, mais quelle horreur. Voilà, attends. Navigateur. Faut que j'aille. Ah d'accord, faut que j'aille au point de quête avec un de mes navires. Bon bah très bien, bon on va faire ça pendant la pause du coup. Pour toutes les personnes qui voient ça en VOD, c'est ici que se termine cette VOD là. Donc du coup on a bien avancé, on est stable ici, positif 2300 de plus. Donc on est très bien, ça veut dire que là-bas on est à 100, donc c'est ok. On est c'est pas notre île. Voilà. Donc là on est à 360 de positif, donc c'est plutôt très très cool dans cette zone là. On a bien fait puisque du coup voilà, c'était ça que je voulais vérifier. En montant ces bâtiments là, finalement on devient plus rentable puisque du coup ils rapportent beaucoup plus d'argent. Les artisans font vraiment beaucoup de bénéfices pour nous. Et ça c'est une très bonne chose. Maintenant qu'on a bien avancé et que tout est ok, on va pouvoir faire pour de vrai la suite du scénario. Et donc ça sera dans la prochaine VOD. Désolé, ça aurait dû être celle-ci, finalement c'est l'autre. Bon c'est pas grave, ce sont les choses qui arrivent. Petite pause pour le live, je reviens dans un instant. Je vous dis à très très vite. Je me dépêche, à toutes.